La date du 11 février 2015 est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Internet, véritable outil d'information, un espace de liberté où chacun peut communiquer, découvrir et partager. Le principe fondateur d'Internet est sa neutralité. Il exclut toute discrimination. Mais de récents développements, entre autres de la cybercriminalité, de l'arnaque, du harcèlement, portent un coup à la crédibilité de cet outil. Conscient de la situation, le gouvernement ivoirien a adopté des mesures sécuritaires pour la protection des données à caractère personnel. Nous avons identifié l'ensemble des utilisateurs de l'Internet. Ensuite, le gouvernement a pris une loi qui désormais qualifie tous les actes qui sont commis à partir du cyberespace. Et au niveau du ministère de l'Intérieur qui en charge les services de police, il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'occasion d'interpeller les jeunes internautes et leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne. Et il faut que tous, parents, enfants, nous soyons responsables vis-à-vis du cyberespace. Que les parents encadrent leurs enfants. Que les enfants sachent qu'ils ont une responsabilité lorsqu'ils sont dans le cyberespace. Autre aspect de cette journée, c'est d'informer les jeunes sur l'utilisation d'Internet, les inciter à réfléchir sur leurs pratiques, mais aussi leur donner les outils sociaux et techniques pour profiter pleinement du numérique. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr existe depuis 2004 et a été instaurée par les Anglo-Saxons.